Bon, bien salut à tous, c'est James, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 18 pour un tuto. Donc, c'est un tuto pour voir comment on peut avoir les meilleurs joueurs du jeu dans des carrières managers avec les pires équipes du jeu en fait. Par exemple, voilà, j'ai pas faire de clichés, mais par exemple en Irlande, par exemple, on peut avoir la pire équipe du monde, peut avoir je sais pas, Messi, Ronaldo, Neymar, plein de joueurs comme ça. Donc voilà, déjà le tuto est assez simple. Bon, après je sais que c'est pas très réaliste, c'est pas très joli de faire ça, mais voilà, le tuto est très très simple. Déjà de 1, il faut aller dans modifier équipe, dans transfert club. Donc voilà, ensuite pendant qu'on y est là, on va aller en Irlande, vu que j'ai mis l'exemple de l'Irlande. On va aller à Bray Wanderers, voilà, cette équipe-là. Donc on va enlever un petit peu tous les joueurs qui servent pas, qui vont pas servir, voilà. Ok, bon là il y en a pas énormément qui vont pas servir, mais voilà. Par exemple, si en gardien vous voulez prendre Neuer, bah vous prenez Neuer, voilà. C'est ça, c'est simple. Voilà Neuer, hop, voilà Manuel Neuer. Vous le mettez dans votre équipe. Alors oui, j'ai raté l'Irlande. Après Wanderers, voilà. Ensuite, si vous voulez prendre des Réaux, bah vous prenez des Réaux, hein. C'est pas si compliqué que ça. Voilà, hop, des Réaux. Parfait. Ensuite, on va prendre un petit Messi. Hop, le petit Messi, on va le prendre. Voilà, Messi. On va prendre allez, on va prendre le CR7. Bon, je sais, c'est un petit peu, enfin c'est pas réaliste en fait, mais bon, c'est assez sympa à faire. Enfin voilà, ça fait un petit peu de, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est que c'est pas réaliste, je le sais que c'est pas réaliste, mais voilà quoi, c'est pas réaliste, mais on le fait quand même. Pire les gars, ce qu'on va faire pour être encore plus rapide. Voilà, c'est qu'on va mettre Neymar. Et ensuite, on va regarder là. On va mettre les joueurs à plus de 85. Et normalement, il n'y en a pas énormément. Donc, hop, on va mettre à plus de 85. Et on peut appuyer sur croix. Et ça va faire recherche. Voilà, donc on a Ronaldo, Messi. On aura le petit Suarez, Lewandowski, Kroos, Ramos, Higuain. Bien sûr, on va prendre tous les meilleurs joueurs, j'ai dit. De Bruyne, Hazard, Bale, Modric, Chiellini. On va éviter de prendre trop de. Prendre des joueurs qui servent à rien, genre Agüero, ça va pas servir. Il faut des défenseurs, Godin, Boateng, Hummels, milieu de terrain, voilà, on a du Dybala aussi. Du Ruben. On va prendre le petit Kanté, le petit Iniesta. Et on va prendre Bonucci aussi parce que j'aime bien. Ibra, bien sûr, on va prendre Ibra là, c'est la base. Et on va prendre le petit Pogba et on va arrêter là. Et après, on va enlever un petit peu les joueurs qui servent à rien. Et là, on aura vraiment une équipe du Turfu, quoi. On aura l'équipe du Turfu, je vous le dis. Alors, on va enlever tous les joueurs. Donc, on va. Voilà, ça c'est simple. En plus, c'est pas compliqué. Après, si vous voulez, vous pouvez les vendre, ça vous ferait vraiment de l'argent, un truc de fou. Alors on va enlever encore ces 4 là. Et voilà, là on a la meilleure équipe du jeu. Enfin, à peu près la meilleure équipe du jeu. Bon, c'est pas totalement la meilleure équipe, même si j'ai pas pris les meilleurs joueurs. Donc voilà, on va faire la petite compo aussi. Bon, c'est vrai que le Bayern est assez fauché, voilà, leur attaquant 67 de général, ils ont pas de défense. Mais vous inquiétez pas, je vais tout bien remettre parce que bon, ça me fait bizarre de voir cette équipe là comme ça. Donc ouais, on va prendre la compo. Moi je préfère une petite compo en. Allez, on va prendre cette petite compo là. Ça pourrait être pas mal. Hop, le petit. On va inverser les deux. Voilà, ensuite le milieu de terrain qui est plutôt pas mal. On va peut-être mettre Ney en MOC. Enfin, ouais, en MOC. Je sais que c'est bizarre, mais. Voilà, on peut le faire jouer MOC, ou pire on peut mettre Messi MOC, ça peut marcher aussi. On va mettre Neymar à droite et Messi MOC, on va faire peut-être monter un petit peu.
On va le laisser là. Alors là, il y a du Chiellini, Ramos. C'est plutôt solide. À droite, par contre, ça n'a pas trop de monde. Ah ouais, non, en fait, on va changer de compo parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre des défenseurs droits, défenseurs gauche, parce que c'est les postes qui font baisser les stats. Donc c'est pour ça que j'allais jouer un 3 défenseurs et on va jouer un 3 défenseurs comme ça. Avec du... ouais, on va mettre le petit Messi à droite. Neymar. On va mettre Neymar là. Et au milieu offensif, on va mettre le petit Dybala. Ça pourrait être sympa. On peut mettre Hazard aussi. Allez, on va mettre Hazard aussi, ça sera peut-être mieux. Et voilà, on peut la meilleure équipe du monde est là. C'est pas si compliqué de la faire. Hein. Voilà, la meilleure équipe du monde. Elle est plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, ça c'est la première étape. Je sais qu'elle a été longue, mais la première étape, ça a été la plus importante. Donc voici l'équipe pour finir. Deuxième étape, vous allez dans nouvelle carrière. Carrière de manager, voilà. On va mettre la hausse des trucs, je sais pas trop quoi. On va aller prendre notre petite équipe. Donc voilà. Notre petite équipe qui est là. Ouais, on s'en fout un petit peu de ça. Voilà, on va mettre champion. Et là, le truc le plus important, c'est dans équipe utilisée. Là, il faudra prendre perso actuel. Parce que si on fait télécharger plus récente, t'auras une vieille équipe dégueulasse. Et perso actuel, ça fait. Bah, il y aura des joueurs quoi. Hop, on va faire ça. Et on va peut-être se mettre en Ligue des Champions parce qu'on a quand même un bon petit niveau. On peut pas se mettre en Ligue des Champions, on va peut-être se mettre en Europa League plutôt, ce sera déjà bien. Mais après c'est vrai que c'est pas le bon championnat pour faire une carrière ça, mais... Attendez, où est-ce qu'elle est l'équipe... Attendez. Peut-être ça. Ah non, ça c'est Danemark. Ok, par contre je trouve pas l'équipe de... De Brøndby. Non, de Brøndby c'est en Danemark quoi. Ça c'est vrai que c'est la Pologne. Bon, je trouve pas. Après, normalement, il y a au moins une équipe. Tiens, on peut avec un petit peu de chance, on va tomber. Ok, non, ça change rien du tout. Bon, normalement, il y a une équipe. Normalement, il doit y avoir au moins une équipe de. Enfin, de. Ouais, il y a au moins une équipe normalement qui vient de l'Irlande. Attendez, on va peut-être regarder là s'il y a une petite équipe d'Irlande. Il y a le FC Nantes, c'est plutôt pas mal, c'est beau. Voilà, non, ça c'est Écosse, mince. Je connais pas trop les équipes d'Irlande, hein, par contre, c'est. Ok, bon, j'arrive pas à le faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est bon, perso actuel. On va continuer. Et là, bon, on a le petit chargement habituel. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que les joueurs, ils ont pas des gros salaires, hein, il me semble. Il me semble que c'est pas des salaires dépassant plus de. Enfin, genre, par exemple, si la valeur moyenne de salaire c'est 1000, ce sera peut-être. Allez, même pas 2000, je pense. Il me semble que c'est ça. Hein. Enfin, c'est pas un salaire comme ils ont normalement, ils ont. Normalement, ils ont 80, 480, je sais pas combien. Ils sont 500 000 de salaire. Mais là, c'est pas 500 000 de salaire, loin de là. C'est. De 2 000 de salaire, hein, comme ça, je pense. Quand je suis peut-être gentil. Ça, c'est. Franchement, ça, c'est pas mal. Et en plus, si vous voulez vendre des petits joueurs, c'est parfait. On va enlever quelle carrière, par contre. Parce que c'est vrai que j'ai enlevé une carrière, on va enlever celle-là. Et on va mettre. Allez, on va l'appeler comme ça. Je sais pas trop comment l'appeler. Mais si vous voulez, vous pouvez l'appeler n'importe comment. Mais ça change rien du tout le nom. Alors, on va refuser d'aller parce que j'ai un petit peu la flemme. Donc, les gars, attendez. Je vous dis tout de suite. Excusez-moi, les gars, j'ai un petit thème prévu. Donc, voilà un petit peu le budget qu'on a. On a 838 000 et 82 000 de salaire. C'est quand même beaucoup. Donc, voilà, l'équipe elle est toujours là. On va regarder
Les financiers, voilà, donc c'est à peu près 10 000, voilà, 10 000, 7 000, 10 000, vraiment c'est des petits salaires de rien du tout. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez vendre un petit peu n'importe qui, voilà, j'ai un petit peu trop de défenseurs, je trouve. Donc on va enlever, allez, on va enlever Hummels parce que c'est lui qui a... Non, on peut pas l'enlever, ok. Bon, c'est vrai que pour l'instant, la première saison, vous allez pas réussir à l'enlever, mais après, vous pourrez enlever, vu qu'ils viennent d'arriver. Normalement, après, vous pouvez enlever très facilement. On va regarder, voilà, Messi a 17 000 de salaire et Ronaldo, il a 17 000, ouais. Ney a 15 000. Robert Lewandowski a 16 000. Il est gourmand, le petit Robert. Suarez, il y a 15 000 aussi. Ouais. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Et voilà, vous avez un petit peu les meilleurs joueurs du jeu, on va dire. Hein. Enfin, c'est même sûr que vous avez les meilleurs joueurs du jeu. Donc voilà, après là, vous pouvez continuer votre carrière tranquillement. Vous allez gagner, c'est sûr, de toute façon, parce que voilà l'équipe que vous avez dans le championnat où est-ce que vous êtes. C'est sûr que vous allez gagner. Donc voilà, je pense que j'arrête la vidéo là-dessus. Donc je vous ai un petit peu montré comment avoir la meilleure équipe du monde avec le pire et la pire équipe du jeu en fait. Donc c'est assez simple. Donc voilà, je pense que j'arrête la vidéo là-dessus, les gars. Likez. Après, je sais que c'est pas une méthode très. C'est pas une méthode très méritante, c'est vrai. Moi j'utilise pas par exemple, mais je la fais juste pour cette vidéo là parce que je sais qu'il y en a, ils veulent, en fait ils veulent vraiment avoir les meilleurs joueurs tout de suite quoi. En fait il y en a, ils ont la flemme d'attendre, soit ils ont la flemme d'attendre 3-4 saisons pour avoir tous les meilleurs joueurs, ils la veulent tout de suite. Donc voilà, je la fais un petit peu pour vous la vidéo. Donc voilà, c'est pas très compliqué, vous l'avez vu, ça prend même pas 10-15 minutes, donc c'est très simple. Et après vous pouvez vous amuser cette carrière. Donc les gars, je pense que j'arrête la vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était James et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.